Je vais au marché. Mais tu vas au marché comme ça? Oui, non. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais comment tu peux t'habiller comme ça? Ah, papa, bon, on nous pousse toi aussi. Non, chérie, c'est pas normal, va changer. Oh. Tu peux pas porter ça pour aller au marché. Je suis pressée tout à l'heure. Eh? C'est pas normal. Comment une femme mariée peut porter ça pour sortir? Eh? Well. Dans mon sang, hein, de toute façon, cette équipe de City ne tourne pas à plein régime. Franc, à l'air, la remise. Mais n'est-ce pas raté, Dieu n'est bon. Hein? Paris, rien, bleu, Dieu, on a peut-être parlé de ce prêt. Papa, et ton type là vient? Qui? Type de carrière, va en dehors. Hein? Et tiens, ouais. Il est là? Il est proche, fais vite. Et dis-lui que j'ai voyagé. Ok. Et que je veux faire un mois avant de rentrer. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mmh. C'est qui? C'est Entrez. Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, c'est bon. Oui, ça va. Et monsieur, votre mari? Il est sorti. Il est sorti. Ok, je vais passer un temps, l'attendre. Parce que lui et moi, on a quelque chose à gérer. Ah bon? Oui. Mais il ne va pas rentrer de si tôt, hein? Il a voyagé. Oui. Il a voyagé. Il a encore voyagé. Chaque fois que je viens ici, votre mari est en voyage. C'est le boulot. Donc il a du boulot comme ça, mais pourtant il ne veut pas payer mon argent. C'est le temps, monsieur. Il faut le comprendre, c'est le temps. Il n'y a pas d'argent. Il ne va pas rentrer aujourd'hui. Et rentre. Peut-être dans la semaine prochaine. Donc madame, oui. Vous avez vu le fixe? Oui, bien sûr. Waouh. J'ai toujours cru que c'était un sport seulement pour les hommes. Non. Il y a des femmes qui aiment le sport ici au Gabon. Oui. Ça, c'est normal. C'est normal. Regarde, il y a des choses ici. Hein. C'est ça qui bouffe tout mon argent. Monsieur, il y a un problème? Non, je dis cette lumière. Oui. Cette lumière, c'est de la bonne qualité. Hein. Oui. Je vous jure, c'est une qualité qui dure tellement que beaucoup de personnes me demandent d'acheter ça. Mmh. Quand je vois ça sur vous ici, je me suis dit, pourquoi ne pas voir si c'est la vraie qualité en fait? C'est la vraie qualité. Eh oh! Monsieur! Oh! Monsieur! C'est la vraie qualité. Tout va bien? Oui, ça va, c'est normal. Vous êtes sûr? Très bien, je suis là, non, je suis devant vous. Vous savez que vous avez une beauté angélique. Merci. Cette sorte de beauté ne mérite pas de perdre son temps avec un vaurien comme Abyss. Oui? Je l'aime tel qu'il est. C'est pas ça le truc. C'est pas aimer qui a le truc. Pardon? Oui? Abyss n'est personne. Pardon. C'est un bandit, c'est un coureur de jupons. Hmm? Non, c'est pas bon, tu appelles tout le temps avec Abyss, après il te déçoit, tu fonds en pleurs, c'est pas normal. Abyss n'est pas une bonne personne, tu vois. C'est ce genre de beauté, je ne sais pas qui. Non, pardon monsieur, doucement. Hein? Doucement, je suis une femme mariée après tout. Oh non, c'est pas cette histoire. C'est pas ce dont je parle, je parle de votre beauté. Et Abyss qui est un petit, quelqu'un qui est à la basse classe. Oh. Mais une beauté comme celle-là ne peut pas rester avec cette personne. Regardez-vous ça. C'est une femme avec un pote. C'est pas moi. Mais Flodor, assez. C'est quoi? Mais parce que je te dois, tu viens parler de moi comme ça devant ma femme? Hein? Tu es qui pour me parler de moi comme ça devant ma femme? Non. Hein? Je te dois combien? Mais je te dois combien? Dis-moi, je te dois combien? Flodor, chérie, non, excuse-moi. Mais qui, moi, c'est cette femme-là, moi, je vais donner. Ça, c'est cette femme-là. Ah. Mais tu crois que je n'étais pas là, je te connais bien, Jodo. C'est toi seul qui peux donner, c'est la femme. Je vais te donner quelque chose. C'était juste un coup. Je savais que tu étais caché dans la maison. C'était juste pour voir si tu allais sortir ou pas. Maintenant, je ne suis pas venu pour ça. Je veux mon argent. Point. Donne-moi mon argent, sinon,
on règle ça autrement. Tu oses encore te réclamer ton argent avec ce que tu viens de faire devant moi? Et puis quoi? Tu croyais que je n'étais pas là? Mais je t'ai piégé. Je t'ai piégé, Zodo. Je t'ai piégé pour voir ta réaction. Donne-moi mon argent. Je ne suis pas là pour ça. Reste là, je t'appelle la police de suite. Avec tout ce que tu viens de faire là, je t'appelle la police de suite. Et tu ne te quitte pas chez moi, je t'appelle la police. Et tu diras quoi la police? Tu ne te quittes pas chez moi maintenant, je t'appelle la police. Et tu diras quoi la police? Violation à domicile. Sortez en même temps. Vous fermez la porte. Écoute, je m'en vais. Mais je n'oublie pas mon argent. Dehors. N'oublie pas mon argent. N'oublie pas tout ça. Dehors! N'importe quoi! Mais tu as un kilo, hein? Chérie, mais toi aussi, il est très calme-toi. Ah, tu as compris la jambe, mais je ne voulais pas compter sur toi. Chérie, oublie ça! Chérie, calme-toi.